Et bien, salut tout le monde, c'est Jojo Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA Online pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo d'information sur un bonus de farm qui est activé sur GTA Online pour toutes les plateformes. Je vous en ai parlé dans la vidéo des nouveautés de la semaine, mais je vous en reparle à nouveau. Je pense que c'est beaucoup mieux d'en reparler dans une vidéo à part. Simplement, cette semaine, petit bonus de farm qui n'est pas des moindres, simplement les diamants au Diamond Casino sont de retour. Alors vous avez 18% de chance de tomber dessus. Faut faire simplement le repérage du casino et vous aurez 18% de chance de tomber dessus. Pour ceux qui ont GTA Plus sur NetGen, je vous rappelle que vous avez 100% de chance de tomber dessus. Donc à chaque fois que vous ferez le braquage, vous avez 100% de chance. Mais là, pour ceux qui n'ont pas du coup le GTA Plus sur NetGen ou qui sont sur oldGen, vous avez 18% de chance de tomber dessus. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameux diamants? Déjà, c'est un petit truc qui n'est pas activé tout le temps. Et là, ils sont activés avec 18%, quand je répète encore une fois, pour toutes les plateformes. Et si vous récupérez simplement tous les objectifs des diamants, vous pourrez remporter jusqu'à 3 619 000 GTA dollars. Voilà, on va tenter ensemble, on va essayer de faire un petit repérage ensemble. Pour ça, il vous faudra du coup avoir une petite salle d'arcade. Et ensuite, il faudra du coup vous inscrire en gros bonnet ou PDG. Bon, là, je peux pas parce que la session est pleine, donc je vais changer de session. Donc, allez, on va voir le contenu du coffre-fort en espérant que j'ai les diamants. Si j'ai pas les diamants, c'est pas grave, hein. On verra ce que j'ai gagné. Je garde le moment où je récupère du coup le repérage. J'espère que ça va être les diamants. Peut-être avec de la chance, je vais tomber dessus. Comme j'ai dit, il y a 18% de chance de tomber dessus. Donc, c'est quand même un pourcentage qui est très très peu, je trouve. 18%, c'est rien du tout. Donc, on va voir si j'ai la chance de tomber sur ces 18%. Allez, on va prendre la manchette scout et on va voir un petit peu le contenu. C'est parti. On va voir si j'ai ces 18% de chance de tomber dessus. Hop. On va aller chercher du coup à l'observatoire du coup le petit objectif. Et donc on va faire le repérage. Ah bah parfait, je viens de tomber tout juste à côté. On va pirater le téléphone du gars. Hop, on va sur ça. Et là on pirate le téléphone du gars pour avoir simplement l'accès à la porte. Donc faut qu'on reste pas trop loin. Donc des fois faut le tuer, des fois faut récupérer le téléphone. Là pour le coup faut que je pirate le téléphone pour avoir les informations. Donc on l'attend tranquillement. Alors, là je suis à 60%, je m'éloigne un petit peu. Faut que je me rapproche. Voilà. Alors, pas trop près non plus, hein. Ok, là on est à 80%. 80, hop, 100%. Parfait. Maintenant, on va au casino. On va essayer de s'équiper de la petite MK2. Voilà. C'est pour aller un peu plus vite, hein. Alors, je suis pas trop joueur MK2, sauf pour tout ce qui est des guerres commerciales. Et pour se déplacer à des longues distances. Là, c'est juste pour aller un peu plus rapide pour la vidéo. On se retrouve une fois au casino, à tout de suite. Donc, on est au Diamond Casino. On va essayer de repérer le petit truc en bas. Donc, on a le signal pour ceux qui font jamais de repérage. On a le signal. On s'approche de plus en plus et plus ça monte. Voilà, simplement. Donc, généralement, vous passez au niveau des tab game. Donc, des tables de jeu. Et ensuite, vous allez sur la droite. Généralement, c'est par ici. Donc des fois ça l'est pas, des fois ça l'est. Là on voit que le signal pour l'instant il monte pas trop. Donc pour le coup comme par hasard pour la vidéo ça l'est pas. Donc on va faire un petit tour par ici. Voilà, et ça sera à droite également je pense. On va passer un petit peu à droite. Alors est-ce qu'il est par ici? Alors là il est par ici, alors, on n'est pas très loin. Alors c'est pas par là, peut-être un peu plus par là. Ou un peu plus par là. Donc vous regardez en fait dans la direction à laquelle vous allez, si ça monte ou pas, là ça monte par ici, donc il va sûrement être sur le côté. Alors là on passe à côté, donc là je pense qu'il est là-dedans. Alors on va essayer de s'y approcher. Non, c'est pas là-dedans. On va avoir la chance, allez, on va le trouver. D'habitude je le trouve beaucoup plus facilement que ça. Peut-être dans les toilettes, hein. Ah, c'est peut-être ça, il est peut-être dans les chiottes. Ok, il est dans les toilettes. On va accéder aux caméras et on va voir l'objectif qu'on a eu. Allez, j'espère que c'est les diamants. Peut-être qu'on va avoir de la chance, hein, on sait pas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, caméra. On va changer de caméra. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le coffre. Non, ça, c'est l'hôtel. Enfin, la réception de l'hôtel plutôt. D'ailleurs, c'est dommage qu'on peut pas accéder quand on veut à l'hôtel. Et coffre-fort. Ah, malheureusement, je crois pas que ça va être les diamants.
Je vois pas de contenu, ni là, ni là. Je pense que ça va être. Ah, si, il y a des billets. Ah, dommage. J'ai pas eu le diamant. Comme je vous ai dit, vous avez 18% de chance de tomber dessus. Je suis tombé sur l'argent, malheureusement. Donc, peut-être une prochaine fois, on sait jamais. Donc, après, vous pourrez quitter. Hein. Vous pourrez quitter le casino, relancer le repérage. Ou, normalement, si vous coupez votre connexion tout pile quand vous êtes sur le repérage et que vous avez repéré vos trucs, vous pourrez recommencer le repérage à zéro. Et peut-être avoir la chance de tomber sur autre chose. En tout cas, moi j'ai eu l'argent, j'ai pas eu de chance. J'espère que vous allez avoir du coup les diamants. Dites-moi si vous avez réussi à les avoir et si vous avez GTA Plus pour les avoir à chaque fois. Donc j'espère que bah, vous avez bien farm avec ça. Je vous mets tout dans la description, rien de spécial à mettre, ou juste ce que j'ai dit dans la vidéo. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à lâcher le petit like, petit partage. Vous avez les réseaux sociaux, Discord, le crew, vous avez aussi mon Insta, etc. dans la description de mes vidéos YouTube. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, il y a Pro Player qui est à côté de moi. Donc, bonne journée à toi aussi. Et je vous dis ciao ciao tout le monde.